Shalom, shalom, ma famille. Soyez grandement bénis. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Comment allez-vous? Est-ce que chez vous ça va? Déclare alors dans les commentaires. Tout va bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es de passage sur notre chaîne Miracle. Abonne-toi, s'il te plaît, et clique sur la cloche de notification afin d'être toujours au top des messages lorsque nous les mettons en ligne. Sois grandement béni. Si tu ne me connais pas, moi, c'est la prophétesse Clauzel, la mère de la multitude. Sois grandement béni au nom de Jésus. Aux anciens abonnés, nous vous disons infiniment merci. Que Yahweh, mon Dieu, se souvienne encore de vous. Que Yahweh, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Que Yahweh, mon Dieu, vous fasse rentrer dans la gloire, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La prière que je vais faire aujourd'hui, c'est pour briser alors les jougs d'anti-mariage dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis juste après le jingle. Entendre, comme tu as pu le voir alors dans la description, aujourd'hui nous allons prier pour briser le joug anti-mariage dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Notre Dieu, il est grand et redoutable. Il est un Dieu qui ne rate pas, il est un Dieu qui ne choue pas, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit que le mariage soit honoré de tous. L'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit qu'au commencement, l'Éternel créa l'homme et la femme. Je veux que toi et moi, nous puissions lire Abias 1, versets 3 à 4. Et puis on va prendre encore 17. On va le lire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis Prophétie d'Abias, ainsi parle le Seigneur. Sur Édom, nous avons pris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet des plus mépris. Alléluia. Je vais prendre le verset 17 maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Tu dois reprendre tes possessions. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, maman. Pour les célibataires, les hommes, les femmes alors, de plus de 30 ans, de plus de 30 ans qui n'ont pas encore le mariage, vous allez faire cette prière alors pendant 3 jours successifs. Mais moi, je vais mettre les déclarations, les points de prière, les déclarations prophétiques qui vont te permettre de rentrer dans ton miracle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où tu es, moi, je sais, Dieu a la possibilité, la capacité de renverser, de détruire et de s'élever contre la stérilité, contre le célibat qui est en train de te déranger. Sorry, je parle beaucoup de la fertilité. Je suis désolé, je ne vais pas retirer cette partie dans les montages. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Et en entendant alors tout ce qui nous concerne dans nos vies, nous avons du mal, tu as du mal à réaliser alors, à rentrer dans ta gloire. Tu es là, tu es en train de pleurer, tout le temps tu pleures. L'ennemi se lève contre ta vie. Tu vas remarquer alors que beaucoup de choses que tu es en train de faire l'effort, tu fais de ton mieux, tu rentres dans une relation. Dès qu'il s'agit seulement que tu rentres dans le mariage, la relation est brisée. Pour une raison que toi tu ignores, pour une raison que toi tu ne sais pas. Mais aujourd'hui nous allons prier. Nous allons lire ensemble, toi et moi, Ésaïe 28, verset 16. Je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi très bien. Ne perds pas tes idées parce qu'il faudrait que les miracles s'opèrent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas point hâte de fuir. Alléluia. Ce verset est pour toi. Tu vas commencer à le répéter. Tu vas commencer à le répéter. Lorsque tu construis dans la fondation de l'Éternel, tu construis ton mariage sur Christ. Elle tiendra alors même dans des épreuves. Regarde-toi là où tu es. Tu vas de séparation en séparation, de divorce en divorce. Lorsque tu construis à la fondement de Jésus-Christ de Nazareth,
Tu vas tenir ferme et alors le diable ne te surprendra pas, ni la tempête alors de la vie ne te surprendra pas pour que tu puisses te séparer. Lorsque tu es en prière, la prière va emmener la patience au-dedans de toi et tu vas espérer toujours en l'Éternel. Tu vas espérer aussi en ton partenaire et tu vas espérer pour ton mariage, pour te dire que ce mariage a comme fondement l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton esprit, il faudrait que tu te lèves et que tu puisses savoir que le choix de ton partenaire dépend de toi. Le choix de ton partenaire doit être alors bien explicite afin que ça puisse te permettre de rentrer dans la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi toi et moi, nous allons lire alors Ésaïe 34, verset 16. Je le prends maintenant au nom de Jésus. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'autre, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa boucle l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Lorsque l'Éternel te rassemble ou te met en contact avec une personne, c'est pour que tu restes en vie alors avec cette personne-là, que tu restes longtemps dans ton foyer. Tu pourras alors prier et déclarer ses prières. Tu dois fuir et refuser tout esprit de célibat, tout esprit d'anti-mariage, parlant contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois intercéder pour ta vie, pour te lever. Tu es une femme de foi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage. Ta femme de mariage, ta vie est en train de tourner à rond parce que la fondation est mauvaise. Tu as eu de mauvaises fondations dans les mariages passés. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. À celles qui ne se sont pas encore mariées, ceux qui ne se sont pas encore mariés, je te demande de rentrer dans la prière et de prier afin que l'Éternel puisse te faire exceller, afin que l'Éternel puisse te donner la victoire à tous égards, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ailles de succès en succès, afin que tu puisses réussir et que ceux qui se sont moqués de toi puissent être maintenant honteux et confus, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les miracles s'opèrent dans ta vie. Tu vas lire Ésaïe 34, verset 16. Tu vas rentrer dans la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu comprennes que le sexe avant le mariage ne bénit pas. La grossesse indésirable avant le mariage ne bénit pas. Le mariage de l'argent ne bénit pas. Le mariage de besoins sexuels ne bénit pas. Le mariage parce que l'homme ou alors la femme n'est pas mariée ou alors beau de figure, belle de figure, ne bénit pas. Voilà les mauvaises raisons pour lesquelles plusieurs personnes se marient et rencontrent alors des échecs. Ton mariage devrait être basé alors sur deux choses. Écris-moi dans les commentaires, maman, quelles sont les deux choses? Dieu l'a dit, savez-vous que la volonté de Dieu doit s'élever dans ta vie? Seul Dieu alors est capable de te connecter à l'homme de ta vie. Tu dois te baser sur Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel. Tu dois te baser sur l'amour. Dieu nous a donné un amour profond, un amour doux, un amour alors inconditionnel parmi nous. Voilà pourquoi tu vas prendre ta main droite, tu vas la poser sur ta tête et tu vas prier. Que le feu de Dieu se charge de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Que tes erreurs passées ne reviennent plus dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu as eu à faire comme erreur, ça puisse plus rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie alors, prie, chante une chanson de mariage. Commence à prier avec une chanson de mariage et déclare et décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau immolé te lave, te purifie et te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ coule dans la fondation de ta vie. Purifie toute ta vie afin que tu sois un modèle. Au nom de Jésus, toute fondation maléfique parlant contre ta vie et voit l'échec au nom de Jésus-Christ. Efface alors toute marque maléfique anti-mariage dans ta vie, invalidant ton mariage, bloquant ton mariage, t'interdisant d'être heureuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va déclarer, décréter que tout mari de nuit, toute femme de nuit, travaillant contre toi dans le sommeil et purgé par le sang de Jésus et chassé par le sang de Jésus. Tout acte de mariage que tu as signé dans le monde des ténèbres parlant contre ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Efface
casse alors maintenant tous les actes qui font repousser les hommes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, déclare, je rejette toute prophétie maléfique de mariage, de retard de mariage sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit alors de se marier dans les rêves, je le brise et je le taille en pièces maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout vêtement de honte et de reproche éternel que le monde des ténèbres m'a vêtu, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Toute voix maléfique éternelle, Yandarabo Shakababa, prononçant la défaite contre ma vie, parlant contre mon mariage, je le détruis et je le fais taire au nom de Jésus. Tout certificat de mariage spirituel assigné éternel dans le monde des ténèbres contre ma vie à moi, prends feu maintenant. Je dis fire, 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 fire au nom de Jésus-Christ. Écris fire, écris fire, écris fire, écris fire. Tous les mariages nocturnes qui ont amené le blocage dans ma vie, qui ont amené la tristesse dans ma vie, tous les blocages alors m'interdisant lorsque je rentre en fiançailles avec une personne, que cela ne puisse pas aboutir au mariage, reçois le feu. Ce jour même où je suis en train de parler, je me lève dans le sang de l'agneau immolé. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance pour mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois mes percées de mariage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la joie de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise éternel le pouvoir de la tristesse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois le contact de Dieu Tout-Puissant et mettre alors sur ma route l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je ne commettrai plus d'erreur. Au nom de Jésus-Christ, toi mariage anti-mariage, toi joug anti-mariage, je te taille en pièces maintenant au nom de Jésus. Et j'appelle l'accomplissement de mariage dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui rira le premier rira le dernier. Ceux qui se sont moqués de moi, vous allez pleurer lorsque vous me verrez alors dans ma joie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Yandarabo Shakababa, déchire les cieux et envoie-moi éternel le partenaire divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise éternel tout esprit de célibat. Je brise à tout esprit éternel de fausses erreurs, de fausses promesses, des partenaires éternels qui vont arriver dans ma vie pour me faire entrer dans le retard. Je brise au nom de Jésus-Christ tout retard marital contre ma vie éternelle, contre éternel la vie de mes enfants, contre la vie de mes frères, contre la vie de mes soeurs. By fire, by force, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi retard maléfique, je t'ordonne de t'en aller maintenant. Va-t'en maintenant, sors de ma route maintenant. Là où j'ai glissé, là où j'ai raté, là où j'ai eu des enfants avant le mariage, éternel mon Dieu, mon roi, envoie-moi un homme qui va m'accepter avec ma charge, avec mes enfants. Tu es capable, éternel, écris dans les commentaires. Tu es un Dieu capable, éternel. Tu es un Dieu capable, éternel. Agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis puissamment dans ma vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma délivrance se fasse voir, que mes miracles se fassent voir, que ceux qui m'ont dit éternel que je suis devenue la fille la plus vieille du quartier me voient éternel me marier dans la gloire avec l'homme de ma vie, l'homme qui va bien me regarder, l'homme avec lequel je vais me sentir heureuse, l'homme éternel selon mon cœur, au nom de Jésus Christ de Nazareth, l'homme qui ne me fera pas descendre dans la vie de prière, mais qui me fera monter dans la vie de prière, qui me fera grandir dans la vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, un homme éternel, mon Dieu, mon roi, Yandarabo Shakababa, qui va te craindre, oh mon Dieu, mon roi, une femme éternelle qui va t'aimer, qui va aimer ma famille et qui va t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Je lis Seigneur Jésus-Christ et ligote. Toute personne qui m'a fait porter des alliances nocturnes éternelles, fais le signe d'enlever cette bague, retire cette bague, retire cette bague et lave ton visage avec l'eau de vie maintenant. Va prendre l'eau de vie, tu laves ton visage avec l'eau de vie. Je bénis cette eau, je le sanctifie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth afin de retirer tout masque de vieillesse sur ton visage, afin de retirer Andarabo Shakababa, chaque forme de toile d'araignée sur ton visage. By
fire, by force. Tout esprit qui t'emmène dans le célibat endurci, libère ta vie maintenant. Libère ta vie maintenant. By fire, by force. I say fire. Cet eau devient le sang de Jésus-Christ et de Nazareth pour te faire rentrer dans la gloire. Ça quitte l'eau ordinaire, ça devient le sang de Jésus-Christ. Va laver tes deux mains maintenant. Va laver tes deux mains maintenant. Lave tes deux mains maintenant. By fire, by force. Que les célibats tombent. Que les célibats tombent. Que les célibats tombent. Au nom de Jésus-Christ. Lave ton visage. Lave ta bouche au nom de Jésus-Christ. Toute odeur corporelle qui fait fuir les hommes dans ta vie. Libère ton corps, ton âme et ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, Père de gloire, Père de grâce. Avec foi et action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. N'oublie pas de liker, de commenter et d'envoyer ton témoignage pour la sainte gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vous aime, shalom.